Et salut les otaku! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complémentaire à la vidéo que j'ai fait l'autre fois sur comment progresser dans les jeux de combat et qui m'a été recommandée par ma chérie dans ma précédente vidéo. Et du coup, effectivement, j'avais tendance à employer des termes parfois qui sont pas forcément très explicites pour les néophytes. Donc c'est la raison pour laquelle je vais essayer de faire trois vidéos successives pour expliquer un petit peu le vocabulaire de façon plutôt générale sur le jeu de combat. En particulier, donc là, on va prendre l'exemple de Street Fighter parce que c'est un jeu qui a des, comment dire, un vocabulaire qui est assez universel qu'on retrouve dans d'autres jeux de combat. Et peut-être basique de chez basique pour les débutants, vraiment débutants, débutants des jeux de combat, hein, ceux qui n'ont jamais touché un jeu, qui comprennent absolument pas comment ça fonctionne ni quoi que ce soit et qui ont envie de s'y mettre. Suite à ça, je ferai une deuxième vidéo qui sera plutôt orientée sur du vocabulaire niveau intermédiaire, où vous allez peut-être entendre certaines choses quand vous allez regarder des matchs de jeux de combat ou même si vous faites des tournois ou quoi que ce soit. Et en dernier, je mettrai du vocabulaire un petit peu plus avancé sur des techniques un peu plus avancées des jeux de combat que vous allez retrouver, mais quand vous aurez une certaine maîtrise du jeu. Alors, en sachant que oui, effectivement, d'autres ont déjà fait des vidéos comme Ken Bogart, etc. Mais là, je vais plutôt vraiment essayer de passer le maximum de termes en revue, bien plus, aller peut-être plus loin que ce que lui a déjà fait, en reprenant une partie de ce qu'il a déjà fait à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que, comment dire, j'ai hésité énormément dans certains thèmes entre les mettre en débutant et intermédiaire, voire intermédiaire et peut-être au niveau supérieur. Donc vous m'excuserez si certains puristes ne sont pas tout à fait d'accord avec mon classement, mais je l'ai fait selon mon propre ressenti sur le moment. Donc j'espère que ce sera suffisamment classé correctement pour aller dans ces bonnes catégories. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, oui, j'ai choisi un super décor de plage avec un petit peu de musique en fond sonore, c'est plus sympa. Donc pour commencer à expliquer un petit peu le vocabulaire, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de prendre plusieurs définitions qu'il y a dans le versus et je vais essayer de les illustrer par rapport à Street Fighter, mais qui peuvent aussi potentiellement s'appliquer à d'autres jeux. Donc pour cela, j'ai pris comme personnage principal Ryu, puisque c'est l'archétype du personnage le plus standard, on va dire, de Street Fighter, un peu comme vous aurez Son Goku dans Dragon Ball Fighters, un Scorpion dans Mortal Kombat X, enfin, MKX, voilà, tous des personnages dits standards dans des jeux de combat. Donc on va commencer tout de suite par les bases. Donc je vais parler d'abord des types de coups. Donc en fait, les types de coups, c'est quoi exactement dans un jeu de combat? Donc selon les jeux de combat, vous allez avoir plusieurs boutons qui vont servir à différents types de coups, qui vont avoir des propriétés différentes. Donc dans Street Fighter, il faut savoir que vous avez 6 coups différents de base. Donc vous avez le petit poing, le moyen poing, le gros poing, le petit pied, le moyen pied, le gros pied. Donc, il faut savoir que quand vous allez voir certaines vidéos, vous aurez des noms qui seront plus ou moins différents par rapport à ces coups. Des fois, vous allez voir, au lieu de voir par exemple petit point, vous allez voir un light. Au lieu de voir un moyen point, vous allez avoir un medium punch. Au lieu d'avoir un point fort, vous allez avoir un high punch. Donc, au choix, vous pouvez appeler ça par exemple petit point, vous pouvez appeler ça un light, vous pouvez appeler ça un coup faible. Un moyen, vous pouvez appeler ça un coup moyen, un coup médium, voilà, de toute façon ça peut s'appeler que comme ça, un moyen ou médium. Et si vous avez un coup fort, vous pouvez appeler ça un coup fort, un coup high ou un gros coup. Voilà, gros coup de poing, ce que vous voulez. Il existe aussi une notation, c'est important de le savoir aussi, parce que dans certaines vidéos, notamment de joueurs américains, vous allez avoir un petit peu une notation historique d'anciens jeux de combat qui est toujours utilisée aux États-Unis. Donc par exemple, au lieu de voir un light ou un petit point, vous allez voir un jab punch. Pour le moyen, vous allez voir un strong punch, comme fort. Pour le gros point, vous allez avoir le fierce punch. D'accord? Pour le petit pied, vous allez avoir short kick. D'accord? Pour le moyen, c'est forward kick, puisque le pied va vers l'avant.
D'accord? Et pour le gros pied, comme c'est un pied qui sert surtout à la balayette, vous allez voir roundhouse kick. Voilà, donc ça, c'est les différents types de notation que vous allez avoir dans un jeu de combat comme Street Fighter. Alors après, il faut savoir que les coups peuvent différer d'un jeu à l'autre. Il est évident que sur Street Fighter, vous allez avoir 6 coups différents. Vous allez avoir des jeux comme par exemple Guilty Gear où vous allez avoir le pied, le poing, le slash, le high slash qui correspond à des coups différents. Vous allez avoir encore dans Dragon Ball Fighters 3 coups de base, le light, le medium, le fort qui ont les pieds et les poings confondus en fait, et le bouton spécial. Donc ce que je vous dis, c'est j'essaye de faire une généralité, mais là c'est plus propre à Street pour vous dire que voilà, il existe des catégories de coups différents. Chaque coup, donc je disais, a des propriétés différentes. Et ça, c'est assez universel aux différents jeux de combat. C'est-à-dire qu'en général, les coups faibles, ce seront des coups qui, par définition, feront moins de dégâts, mais seront plus rapides. Ils auront aussi ceux qui ont le moins de portée. Vous allez avoir les coups moyens qui, eux, auront une portée un peu plus importante, feront un peu plus de dégâts, sortent assez vite, mais évidemment moins vite qu'un coup light. Et enfin, vous allez avoir les gros coups qui, eux, sont très lents, ont une très grosse portée et en général sont ceux qui font le plus de dégâts. Ça, c'est assez universel en général au jeu de combat, ce que l'on retrouve la plupart du temps. Donc, suite à ça, ensuite, je voulais parler. Donc là, j'ai parlé des coups que vous pouvez retrouver dans un jeu de combat. Ensuite. Ce qu'on va aborder de façon très basique également dans les jeux de combat, ce sont les déplacements. Je vais essayer d'expliquer un petit peu le vocabulaire qui s'applique aux déplacements. Donc en fait, ce que vous allez avoir, c'est par exemple, vous pouvez vous déplacer, vous voyez, vous allez vers l'avant, vous allez vers l'arrière, ça c'est la base de tous les jeux de combat, hein, pour vous rapprocher de votre adversaire ou au contraire de vous en éloigner, pardon. Ça c'est le mouvement de base. Il faut savoir que dans les jeux de combat, souvent il y a une notation plus ou moins universelle qu'on utilise au niveau des directions, puisque vous pouvez très bien reculer, avancer, vous baisser, sauter sur place, sauter en arrière, sauter en avant, mettre votre garde basse en maintenant diagonale bas arrière, ou au contraire viser la direction diagonale bas avant. C'est surtout utile pour des jeux comme Street Fighter pour faire certaines manipulations, certains coups spéciaux. Donc, au niveau de ces notations, en fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est valable aussi bien quand vous jouez avec un stick arcade qu'avec un clavier, qu'avec une manette, une hitbox, ce que vous voulez. Il faut s'imaginer dans votre tête un pavé numérique, en fait, d'un clavier PC. Pourquoi? Parce que, en fait, sur certaines notations, par exemple, quand on va parler, je sais pas moi, par exemple, d'un gros point, tout court, sans toucher une direction. Vous verrez souvent dans les notations de combo, bon, je parlerai de la notion de combo un peu plus tard, vous verrez sur Internet par exemple 5P. 5, ça correspond à la touche 5 du pavé numérique, donc c'est-à-dire la position neutre de votre stick arcade si vous jouez au stick arcade. Si vous voyez avant gros point, vous allez voir 6P. Donc 6P, ça veut dire que c'est avant gros point. Si vous avez 4P, c'est arrière gros point, etc. Vous regardez, vous prenez la correspondance avec votre clavier numérique et c'est exactement ça. J'expliquerai par exemple la manipulation d'un coup spécial tout à l'heure et vous verrez que ça peut correspondre à ça. Vous allez avoir parfois certaines notations qui sont un petit peu différentes, hein, sur Internet, comme par exemple, souvent c'est des notations anglaises, c'est-à-dire que quand vous parlez d'arrière, vous allez avoir B comme back, F forward, down comme bas, U comme up, etc., etc. Ça, c'est pour la base au niveau des directions. Donc, au niveau des placements, vous avez autre chose que l'on retrouve la plupart du temps dans les jeux de combat qui est quand même très important. C'est la notion de dash et de backdash. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un dash et un backdash? Normalement, quand vous vous déplacez, vous maintenez une direction, soit avant, soit arrière. D'accord? Ça vous permet de faire des pas vers l'avant ou vers l'arrière. Mais il existe dans, certes, je dirais pas tous les jeux de combat, mais la plupart des jeux de combat modernes, en tout cas, en ont, hein, la grosse majorité, je ne sais pas s'il en existe d'ailleurs qui n'en ont pas, la possibilité de gagner plus de terrain en termes de déplacement qu'avec un simple déplacement vers l'avant ou vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle un dash, vers l'avant donc, ou un backdash. Donc, vous pouvez également retrouver des fois des notations qui vont vous dire dash avant, dash arrière.
Mais pour des raisons de simplicité, notamment dans les commentaires, en général, quand on parle de dash, on parle de dash vers l'avant. Et quand on parle de backdash, c'est pour compresser en anglais, on parle de dash vers l'arrière. Alors, comment on effectue concrètement un dash ou un backdash? Pour faire un dash, au lieu de simplement maintenir vers l'avant, vous faites très rapidement deux fois avant. Et si vous voulez faire un backdash, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, deux fois arrière. Donc, ce qui fait que même si vous changez de côté, vous saurez dasher vers l'avant si vous changez de côté en faisant un backdash par rapport à l'autre côté. Et si vous faites un dash vers le côté droit, c'est comme si vous faisiez un backdash de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai parlé au niveau du dash. Donc, il y a une notion importante qu'il faut connaître aussi dans les jeux de combat, qui n'est pas forcément toujours très explicite, c'est la notion de janken ou pierre-feuille-ciseau en français, puisque janken, ça vient du japonais. Donc, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte quand on joue un jeu de combat, mais dans un jeu de combat, tous vos choix que vous allez faire dépendent vraiment d'un pierre-feuille-ciseau. C'est-à-dire que vous allez faire un choix de pierre, de feuille ou de ciseau, hein, comme dans le jeu pierre-feuille-ciseau, et en face de vous, votre adversaire va faire un choix également. Il y a systématiquement pour chaque chose que vous allez faire dans un jeu de combat, chaque choix que vous allez faire, vous allez avoir un choix qui va battre un autre choix, un choix qui va s'annuler en fait avec un autre choix, et un choix qui va prendre l'ascendant sur un autre choix. Je vais vous donner un exemple. En fait, quand vous tapez, si votre adversaire, bon là j'ai mis la garde automatique. Attendez, je vais mettre le bot. Oui, voilà. Vous voyez, quand je tape sur la garde de mon adversaire, la garde, c'est une option du janken qui bat le coup, en règle générale. Pour l'instant, je fais des généralités. Hein. Donc ça, il faut vous dire que pour battre un coup, il faut mettre la garde. Pour battre une garde, il faut utiliser ce qu'on appelle une chop. C'est-à-dire que dans Street Fighter, la chop se fait avec deux touches. Comme ceci, le petit poing et le petit pied en même temps. Ça dépend des jeux, hein. Il y a des jeux, ça peut varier complètement. Vous prenez un jeu comme Guilty Gear, ça va être avant plus une touche. Vous prenez d'autres jeux, ça ne sera pas forcément la même chose. Mais il faut savoir que dans Street Fighter, la chop se fait comme ça. La chop, c'est une option, c'est ce qu'on appelle concrètement dans le jargon, c'est un imbloquable. En gros, un imbloquable, c'est le fait que malgré que votre adversaire ait mis sa garde, c'est pas forcément une chope, hein. Là je prends l'exemple de la chope parce que c'est le plus basique, le plus courant. Un imbloquable, c'est un coup qui fait que même si votre adversaire a mis sa garde, il pourra pas le garder en fait, il pourra pas le bloquer. Il va forcément se prendre le coup derrière. Voilà, c'est vraiment ça la notion d'imbloquable qu'on retrouve dans un jeu de combat. Parfois, vous allez avoir des jeux de combat comme Mortal Kombat X, enfin MKX, où certains personnages peuvent faire des tremblements de terre. Vous avez beau mettre votre garde, vous allez prendre des dégâts quand même puisque c'est un imbloquable. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir dans la notion d'imbloquable derrière. Donc, pour en revenir au janken, puisque là je pars un peu dans d'autres pistes, je vais essayer de rester cohérent par rapport à ce que je disais. C'est que ce qui bat le pressing, c'est la garde. Ce qui bat la garde, c'est la chope. Et ce qui bat la chope, c'est le coup. Pourquoi? Parce que si par exemple j'enregistre une action, je vais illustrer ce que je dis, hein, à la relevée. Avec Ryu par exemple, on va dire que je mets ça. J'ai loupé, je vais refaire, je suis désolé. Je vais essayer d'y arriver. Non, ça n'a pas marché, je l'ai fait trop vite. Ça n'a pas marché. C'est assez dur à faire, hein, je suis désolé. C'est bon, reversal. Parce que s'il n'y a pas marqué reversal, ça ne fonctionne pas en fait. Mais ça, j'en parlerai après du reversal. Pour l'instant, vous en souciez pas. Donc, si par exemple, je mets mon adversaire au sol, voyez, il va choper quand je vais me relever. Donc, en fait, le fait d'utiliser, j'en parlerai plus tard en détail. Pour l'instant, je ne veux pas aller au-delà de juste du mot. Comment dire, je vais développer un peu plus tard ce mot, mais le fait de faire un mitir, en gros, c'est un coup à un moment donné quand mon adversaire se relève. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait de mettre un coup au moment où il va pour choper, ça va casser sa chope en fait. Je ne serai pas assez près, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Attendez, on va faire autrement.
Je peux enlever la garde. Parce que le problème, c'est qu'avec Ryu, malheureusement, on ne peut plus dasher derrière une shop. Donc, ouais, je vais plutôt faire ça. Ah, j'ai pas été assez rapide. Vous voyez? Il y a marqué counter sur le côté. Donc, pour l'instant, j'explique pas ce que veut dire counter. Mais l'idée, c'est de dire, mon adversaire a voulu choper. J'ai tapé dans sa shop, dans l'animation de sa shop. Mon coup, c'est comme si j'avais choisi la pierre et qu'il avait choisi le ciseau. J'ai battu la shop. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir pour le moment. Ensuite, donc, on va en venir à une notion de coup spécial. Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des coups normaux, hein, des coups rapides, des coups moyens, des gros coups, etc. Dans tous les jeux de combat, vous allez avoir des coups spéciaux qui sont en fait des coups qui demandent un certain nombre de manipulations pour sortir. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des manipulations complexes avec de gros guillemets. Je prends un exemple. Si je prends Ryu, Ryu par exemple, pour sortir son coup de base spécial qui est propre à Ryu et qui va sortir donc un projectile, c'est ce qu'on appelle donc le Hadoken chez Ryu. Pour sortir un projectile, il faut faire la manipulation suivante. Donc vous avez sur le côté l'affichage des touches. Vous voyez, il faut faire bas, diagonale bas avant, avant, et une touche de poing. Donc si je le fais rapidement, ça donne ça. Voilà, ça c'est un coup spécial. D'accord ? Donc, le coup spécial, dans un jeu de combat, il faut se dire qu'en gros, c'est un coup qui nécessite tout un ensemble de manipulations pour sortir. Il y a des personnages plus ou moins particuliers selon les jeux de combat, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Les personnages à charge qui se jouent avec des manipulations particulières, les personnages avec des boutons aussi à charge qu'il faut maintenir puis relâcher pour que ça sorte un coup spécial. Dites-vous que tous les coups qui nécessitent des manipulations complexes, entre guillemets, c'est-à-dire une série d'éléments pour que votre coup sorte, c'est un coup spécial. D'accord ? Ça, c'est un peu la base au niveau des jeux de combat. C'est en opposition, en fait, si vous voulez, à les coups normaux que vous sortez, basiquement. Après, par opposition aux coups normaux et aux coups spéciaux, vous allez avoir ce qu'on appelle des commandes d'attaque. C'est quoi une commande d'attaque? C'est un coup normal amélioré, en fait, qui nécessite de maintenir en général une direction et d'appuyer sur un bouton de coup normal. Je prends l'exemple de Ryu. Si je fais par exemple son stand HK, high kick, donc son gros pied si vous préférez, vous voyez, il va sortir un gros pied comme ça. Maintenant, si je maintiens la touche arrière et que je fais gros pied, vous voyez, il fait un coup de pied marteau. D'accord ? Ça, c'est une commande d'attaque. C'est un type de coup particulier en fait. C'est pas un coup spécial, c'est pas un coup normal, c'est vraiment une commande d'attaque. Ensuite, il faut savoir que dans un jeu de combat, vous allez avoir des ressources qui sont propres au jeu de combat auquel vous allez jouer. Mais s'il y a des ressources qui sont en général assez universelles, c'est votre barre de vie, la barre de vie de votre adversaire, et la barre bleue que vous avez en bas de votre écran, ça correspond à ce qu'on appelle dans le jargon, dans Street Fighter V, ça s'appelle une critical art, mais en général, on appelle ça une barre de super ou une barre de furie. Tout simplement parce que ça vient d'un ancien Street Fighter qui a introduit vraiment la notion de barre de super. Et depuis, c'est resté comme une notion un petit peu universelle des jeux de combat. C'est en général une barre qui vous permet de lancer une grosse attaque derrière ou d'améliorer vos coups spéciaux. Et c'est là que je vais expliquer les différentes possibilités que vous allez avoir avec ces barres-là. Donc, pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais volontairement mettre la barre de critical jauge en normal. C'est bon. Donc, en fait, si je prends l'exemple de Street Fighter, si vous voulez faire un coup, ce qu'on appelle un coup IX, ou X, EX si vous préférez, concrètement, c'est quoi un coup IX? C'est un coup spécial avec des propriétés améliorées à votre coup spécial. En gros, ça peut rajouter soit plus de dégâts à votre coup, soit ça va rajouter de l'invincibilité à votre coup, etc. etc. Ça donne des propriétés supplémentaires à votre coup spécial.
Donc si je prends l'exemple de Ryu, concrètement, le fait de faire, si je montre un Shoryuken c'est quoi? C'est ceci. Voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle, ce coup-là, dans le jargon, on appelle ça un dragon, ou un dragon punch en fait. C'est un coup qui peut, voilà, qui monte dans les airs avec un coup de poing, un coup de pied. C'est en général ce qu'on appelle un dragon, un jargon. Ce dragon, si je le fais normalement, vous voyez, il a trois hauteurs de saut, que je fasse le petit, le moyen ou le grand. Mais il n'est pas invincible. Enfin, pour être global, pour synthétiser, on va dire qu'il n'a pas d'invincibilité en tant que tel, sauf dans des cas très 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 spécifiques. Je vois des puristes me tomber dessus. Donc c'est pour ça que pour simplifier mes propos, admettons, vous partez du principe qu'il n'a pas d'invincibilité. Le fait de le faire en version EX, comment vous allez le faire? Ben, tout simplement, vous faites la manipulation du dragon. Donc là, je le dis parce que voilà, c'est pour information, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir. Pour faire un dragon, c'est avant, bas, diagonale, bas, avant, et une touche de poing. Ça donne ça. Vous voyez? Si je rajoute une version EX, donc au lieu d'appuyer sur une touche, je vais appuyer sur deux touches. Vous avez certains jeux, attention, je le précise parce qu'il y a des jeux où c'est un peu particulier. Vous prenez par exemple Dragon Ball Fighters, sachant que vous n'avez que trois coups, il faut considérer le coup fort comme un coup EX qui va vous consommer donc une barre de ki dans Dragon Ball Fighters. Mais pour ce qui est de Street, vous devez appuyer sur deux touches en même temps que vous faites votre dragon. Et si vous regardez bien votre barre en bleu en bas, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Mon personnage est devenu doré, donc il va beaucoup plus haut au niveau de son dragon. Il gagne des frames d'invincibilité, il fait plus mal au niveau des dégâts, et ça m'a consommé une barre de ressources en bas. Ces barres de ressources, en général, dans les jeux de combat, vous les montez de plusieurs façons différentes. Les plus courantes étant en infligeant des dégâts à votre adversaire ou en tapant sur sa garde. Vous voyez, ma barre est en train de monter. Ou vous-même si vous subissez des dégâts sur votre garde ou des dégâts directement sans mettre votre garde en fait. Vous voyez, ça va monter petit à petit là-bas. Comme ceci. Bon, je le remonte volontairement, hein. J'aurais pu le faire après le menu, mais c'est pas grave. Ensuite, bah, de toute façon, je vais remettre l'option dans le menu pour illustrer mes propos d'après. Donc, vous allez avoir donc la possibilité d'effectuer une attaque super en échange de l'intégralité de votre barre. Alors, comment vous faites dans Street Fighter pour faire cette super? Tout simplement, au lieu de simplement faire ce qu'on appelle un quart vers l'avant, c'est-à-dire la manipulation du Hadoken, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous faites bas, diagonale, bas, avant, avant, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un quart avant. Si vous faites un quart arrière, ça va être le contraire, c'est-à-dire vous allez faire bas, diagonale, bas, arrière, arrière. J'ai oublié de préciser ça, donc j'en profite pour le préciser. En général, quand vous dites quart vers le bas, c'est souvent vous partez soit vers l'arrière vers le bas, soit de la droite vers le bas. Si vous faites un quart vers le haut, c'est de la droite vers le haut ou de l'arrière vers le haut. Si, quand on parle de demi-cercle, c'est la même chose. C'est demi-cercle avant, c'est vous partez de l'arrière vers l'avant, demi-cercle arrière, vous partez de l'avant vers l'arrière, etc., etc. C'est rien de très compliqué. Dans la notion, mais j'en reparlerai des notions par rapport au quart après. Donc, je disais, pour faire la super, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites deux quarts avant et vous appuyez sur un bouton, tout simplement. Comme ça, je vais avoir une animation de super au lieu d'un simple Hadoken. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une super. C'est ce qui permet de faire de gros dégâts. Ça peut être pour achever une personne, ça peut être pour prendre un avantage à la vie certain, mais c'est en contrepartie de toutes vos ressources. C'est-à-dire que derrière, vous ne pouvez plus utiliser de coups EX. Tant que vos barres de EX ne sont pas remontées à force de prendre des dégâts ou d'infliger des dégâts. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Donc pour revenir à la notion de notation sur les quarts, il faut savoir qu'il y a différents types de notation qui existent sur Internet. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la notation du pad numérique, du pavé numérique. Donc si par exemple vous voulez faire un Hadoken, ben, sur Internet vous allez avoir par exemple 2, 3, 6 qui correspondent aux directions respectives du pavé numérique basse, diagonale, bas, avant, avant. Et derrière, vous allez avoir point. Donc, si vous voyez 2, 3, 6 P, ça veut dire que vous devez faire un Hadoken en faisant bas, diagonale, bas, avant, avant, point. Vous pouvez avoir des notations aussi anglaises qui existent. Si vous voyez QCF, ce qui veut dire littéralement Quarter Circle Forward, ça veut dire quart de cercle avant.
Vous pouvez avoir des quarts de cercle arrière, quarter cycle back. Par exemple, si je montre l'exemple du coup spécial de Ryu avec le Tatsumaki, son Tatsumaki, il faut faire un quarter cycle back et le pied, ce qui donne ça. Vous voyez? Je fais bas, diagonale, bas, arrière, arrière, pied, ça va me sortir un Tatsumaki. D'accord? Donc concrètement, la différence aussi entre les normaux et les spéciaux, c'est que les spéciaux vont vous permettre notamment d'infliger plus de dégâts au cours d'un combo, et c'est là qu'on va aussi parler de la notion de cancel. Alors qu'est-ce qu'un cancel? C'est important de connaître la notion de cancel dans un jeu de combat, puisque c'est ce qui va vous permettre notamment d'enchaîner certaines comment dire, possibilités avec votre personnage entre ses normaux et ses spéciaux, ou entre ses spéciaux et ses barres de super, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'un cancel? Donc pour parler vulgairement, un cancel c'est le fait d'annuler l'animation de votre coup par autre chose. Si je prends l'exemple de Ryu, avec Ryu je fais un bas moyen point. Vous voyez quand je fais un bas moyen point sur la garde de mon adversaire, vous voyez vraiment que le bas moyen point part vers mon adversaire, touche sa garde pendant un moment et il se rétracte pour revenir à une position initiale. D'accord ? Ça, j'en parlerai un peu plus en détail de tout ça, de ces phases d'animation, mais pas, ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Pour faire un cancel, concrètement, c'est-à-dire que au lieu de vous contenter juste d'avoir toute l'animation de votre point, vous allez avoir la possibilité, pas avec tous les coups, hein. Là, je montre cet exemple puisque ça marche avec ce coup-là, mais c'est pour vraiment vous expliquer la notion de cancel. Vous allez avoir la possibilité d'annuler toute l'animation de votre coup, c'est-à-dire qu'au lieu de voir le point de Ryu se rétracter complètement, vous allez pouvoir annuler cette animation du point qui se rétracte, par exemple par un Hadoken. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement bas point et d'attendre que votre animation se termine, vous allez pouvoir faire par exemple bas moyen point, commencer à faire la manipulation du Hadoken pendant le bas moyen point, donc en même temps vous faites bas et vous maintenez la touche bas de votre moyen point, vous finissez votre quart de cercle et vous appuyez de nouveau sur le point et du coup vous allez avoir le Hadoken qui va sortir juste derrière, ce qui donne ceci. Vous voyez, mon point ne s'est pas complètement rétracté et Ryu a enchaîné avec un projectile, un Hadoken. Ça c'est ce qu'on appelle un cancel, le fait d'annuler l'animation d'un coup par un autre coup. De la même manière, vous allez avoir différents types de cancel qui existent. C'est-à-dire que là, je vous ai montré la notion du cancel avec un coup. D'accord ? Vous allez avoir la notion du cancel de spécial par la super, par exemple. Rien ne vous empêche de faire Hadoken super. Vous voyez ? J'annule la fin d'animation de mon Hadoken par la super. Ça, c'est tout à fait possible. De la même manière que vous allez avoir la notion de Reda Cancel, qui est un cancel un peu particulier, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais un combo avec des petits points, normalement, vous voyez, si je le fais lentement, l'animation de mon petit point, il est en entier. L'intérêt du Reda Cancel, c'est que vous pouvez enchaîner des coups rapides et annuler l'animation du coup rapide précédent. Par exemple, je peux faire ça. Vous voyez ? Mon personnage va enchaîner les petits points, en fait. Ça, c'est un Reda Cancel. Vous cancelez l'animation d'un coup light, d'un coup léger, par un autre coup léger. Comme autre type de cancel, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les target combos. Alors, les target combos n'existent pas forcément dans tous les jeux de combat. Vous allez plus avoir la notion, par exemple, dans Guilty Gear de Gatling, etc. Mais c'est à Street, on appelle ça des target combos. Alors, concrètement, un target combo, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer. Donc si je mets mon personnage debout, attendez, je sais plus, je suis désolé, je connais pas très bien Ryu non plus, donc je vais essayer de voir pour m'en souvenir, je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire, ça va revenir, bah, c'est ça pourtant, hein. Yes. Bon. Non, pourtant c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, en fait, au lieu de simplement faire moyen point, gros point,
et gros pied. Avec Ryu, vous avez la possibilité de les enchaîner. Si vous enchaînez assez vite... Je double tapote exprès parce que ça passe mieux en double... En appuyant de front en fait. Ok. Voilà. Vous voyez, vous avez la possibilité d'annuler l'animation de votre coup par un autre coup, par un autre coup. C'est une série de coups que vous enchaînez, c'est ce qu'on appelle un target combo. Vous allez avoir des jeux comme Guilty Gear ou Dragon Ball Fighters où ça sera plus la notion de Gatling. Ça sera le fait de pouvoir enchaîner les coups les uns après les autres. Mais c'est un peu le même principe que le target combo au final. Ça reste des cancels. Vous annulez l'animation de la fin de votre coup par autre chose. Après, vous allez avoir un cancel un peu particulier qui est assez spécifique à certains personnages, mais vous pouvez le retrouver chez certains persos. Bon, j'en parle comme ça parce que malheureusement, je ne pourrais pas le faire avec Ryu. C'est ce qu'on appelle le Kara Cancel, K-A-R-A, Cancel. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir, je vous en parle parce que je parle des cancels, donc j'en profite pour en parler maintenant. Même si c'est un truc un peu plus avancé, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en débutant, encore une fois, mais j'en parle quand même. Le Kara Cancel, c'est un peu le contraire d'un cancel classique, c'est-à-dire qu'au lieu d'annuler l'animation de fin de votre coup, vous allez annuler le début de l'animation de votre coup. Par exemple, dans Street Fighter 4, vous aviez avec Ken la possibilité de faire un pied en avant, c'est-à-dire qu'il pouvait avancer. Et le fait au lieu de simplement vous contenter de faire avant moyen pied, vous faisiez avant moyen pied et tout de suite après la chope, ce qui fait que ça annulait le début de l'animation de votre coup. Donc le personnage commence à avancer et derrière ça vous permettait donc de choper plus loin. C'est des notions techniques un peu plus avancées, mais c'est pour vous dire que ça existe aussi. Vous n'avez pas besoin de le retenir, mais sachez que ça existe. Si vous entendez parler de Kara Cancel, c'est de ça dont on parle. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Donc je vais essayer de passer à des notions de vocabulaire un peu plus généraliste au niveau débutant, en complément de ce dont j'ai parlé. Puisque je voulais d'abord poser vraiment les bases du jeu de combat par rapport à ça. Hein. Là, on va commencer à rentrer dans du vocabulaire un peu plus étoffé, tout en restant dans la catégorie débutant. Donc, on va parler de ce qu'est un anti-air dans un jeu de combat. Qu'est-ce qu'un anti-air ? Donc, en fait, un anti-air, je prends ma petite définition, merci Wikipédia, hein, je vais vous la lire telle qu'elle et je vais vous l'interpréter plus concrètement. Une aérienne qui peut également servir de lancement, launcher pour un juggle. Alors, pour l'instant, on va pas parler de juggle parce que sinon, je vais vous perdre. On va parler vraiment de la notion d'entière. Un entière, c'est quoi? C'est, je prends mon adversaire, il est en train de sauter ou de me sauter dessus, par exemple. Un coup qui va entière, c'est un coup qui va l'empêcher, fait qu'il va punir son saut pendant qu'il est en l'air, en fait. Puisque pendant qu'il est dans les airs, sauf certains jeux particuliers, encore une fois, comme Guilty Gear, qui vous permet de mettre la garde dans les airs. Dans Street Fighter, vous ne pouvez pas avoir votre garde pendant que vous êtes en l'air. Pendant que l'animation de votre personnage est en l'air, vous ne pouvez pas mettre la garde. Donc comme vous ne pouvez pas mettre la garde, vous avez la possibilité de l'entière. Dans Guilty Gear aussi, vous pouvez entière, à condition que votre adversaire ait fait le choix de ne pas avoir mis sa garde pendant qu'il vous sautait dessus dans les airs. C'est pour ça que je dis Guilty Gear, attention, DBF, tout ça, c'est très très particulier. Mais sachez qu'un coup entière, c'est vraiment ça. C'est le fait d'empêcher votre adversaire de vous sauter dessus, de sauter sur place, etc. Ou de vous sauter dessus en cross-up, mais les cross-up, j'en parlerai plus tard. Pour le moment, c'est pas le but de ce tutoriel. Donc ensuite, je vais parler de la notion de bourrage. Bourré dans le jargon, ce qu'on appelle bourré. Donc si je reprends ma petite définition, bourré, c'est une tactique qui consiste à déborder l'adversaire de coups sans lui laisser le temps de réagir pour le pousser à la faute. Alors, je trouve que cette définition veut un peu tout dire et rien dire. Pour simplifier, selon moi, la notion de bourrage, c'est le fait que, par exemple, vous allez avoir des situations de jeu où votre adversaire, pour casser une de vos tentatives, va avoir tendance à vouloir taper dedans. Merci beaucoup pour ton stream. Je t'en prie, c'est fait pour ça, j'essaye de faire du mieux que je peux pour aider les joueurs, c'est mon objectif. Donc en fait, la notion de bourrage, c'est par exemple, votre adversaire,
vous le mettez au sol, vous voulez le presser une fois qu'il est au sol, donc là je vais enlever la carte, ça, et là votre adversaire met des coups, il met des coups. Ça c'est ce qu'on appelle un bourrage, c'est-à-dire qu'il veut, il veut vous empêcher d'aller le presser une fois qu'il est au sol. De la même manière, c'est derrière, vous allez essayer de lui placer un combo sur sa garde, votre adversaire va vouloir taper. Ça c'est un bourrage, c'est-à-dire qu'il va vouloir volontairement taper à ce moment-là pour vous empêcher d'effectuer vos actions de jeu. C'est ce qu'il faut entendre par notion de bourrage. Je vais parler de tout ce qui est le fait de mâcher ou d'être ou des boutons mâcheurs, ce qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que c'est que mâcher? Alors, c'est très facile. Ça n'a rien à voir avec la salade. Hein. Vous ne mâchez pas de la salade dans les jeux de combat. Bon, ça, c'était pour la vanne un peu pourrie. Voilà, c'était facile à faire. Ça ne mange pas de pain. La notion de bouton mâcheur, en fait, c'est très souvent, c'est quasiment universel chez tous les débutants. On voit beaucoup de joueurs, quand ils jouent à des jeux de combat... Alors, je vais mettre la garde, hein, je vais le remettre. On voit ça. En gros, c'est le fait d'appuyer sur des touches, H24 toute votre vie, que vous soyez pas en offensive, que vous soyez en défense, en offense, au milieu de l'écran, alors que votre adversaire est pas du tout là. C'est le fait d'appuyer tout le temps sur des touches. Un bouton mâcheur, quand vous entendez la notion de bouton mâcheur dans un match commenté, c'est vraiment le fait que votre adversaire appuie tout le temps sur les boutons. Même quand il n'a pas le droit d'appuyer, c'est le fait qu'il appuie tout le temps sur les boutons. C'est vraiment ça la notion de bouton mâcheur. Ensuite, donc la notion de cancel, j'en ai parlé. Je vais parler de la notion de camper. Bon, ça, c'est une notion que beaucoup de joueurs connaissent, pas forcément des joueurs de jeux de combat. Hein. C'est une notion qu'on retrouve aussi dans les FPS, notamment. Même dans certains jeux de stratégie, ça arrive aussi parfois. Le fait de camper, c'est le fait que, bon là, Ryu, c'est pas forcément le personnage le plus adapté pour illustrer ça. C'est le fait que votre adversaire a tendance à toujours rester dans un coin du jeu pour vous attendre et par exemple vous balancer des projectiles toute sa vie. Et le gars ne fait que ça. Il ne bouge jamais de son emplacement, il fait que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle concrètement un camper. C'est-à-dire que... Il veut pas faire autre chose que ça. Donc, il va camper. Qu'il mène à la vie ou qu'il mène pas à la vie. C'est pas son problème, le gars va rester vraiment sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle concrètement du camping ou le fait que ce soit un camper. Ensuite, je vais parler, donc tout à l'heure, j'en ai touché deux mots, c'est la notion de chop. La notion de chop, c'est le fait d'attraper votre adversaire. Alors, dans Street Fighter, ça permet de casser la garde. Quand votre adversaire a sa garde et que vous les tapez dedans, vous pouvez pas lui briser la garde uniquement en tapant sur sa garde, mais vous pouvez lui briser la garde en utilisant une chop. Certains jeux de combat ont des chops particulières, même dans Street Fighter d'ailleurs, hein, c'est pas forcément dans tous les jeux. Vous allez avoir ce qu'on appelle des air chop ou des air throw, air throw en anglais ou throw pour la chop simple au sol. C'est-à-dire que quand vous allez sauter dans les airs, vous allez pouvoir attraper votre adversaire et le projeter au sol ou le comboter, ça dépend des jeux. Il faut savoir que dans Street Fighter, certains personnages ont une air chop comme Camille, comme Juri, je crois, Chun-Li, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des air chop. C'est vraiment, ça fait office d'entière une air chop par rapport aux entières dont je parlais tout à l'heure. Une air chop est une forme d'entière. Donc voilà, il faut savoir que ça existe. Ensuite, voilà, je vais parler de la notion de combo. Donc les combos, c'est quelque chose... d'assez facile à comprendre, mais d'assez obscur pour les débutants. Donc je vais un petit peu expliquer ce que c'est et je vais illustrer concrètement c'est quoi un combo. Hein. C'est rien de bien folichon, mais encore faut-il que je montre ce que c'est. Donc un combo, dans la définition, c'est une série de coups donnés à l'adversaire. Si elle est correctement exécutée, ne peut en principe pas être interrompue. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je prends Ryu, vous voyez, si je fais par exemple... moyen point, et derrière je fais un Hadoken. Exemple très très basique. Hein. Je vais enlever volontairement la garde de mon adversaire, puisque la notion de combo, il faut savoir qu'un combo c'est toujours quelque chose que vous faites en hit. Si vous ne le faites pas en hit, ça ne s'appelle pas un combo, j'en parlerai après. Ça porte un nom différent. Un combo,
C'est par exemple, si vous regardez votre affichage sur la gauche, si je fais par exemple moyen point suivi d'un moyen point, là j'ai pas un combo. Par contre, si j'enchaîne correctement mes deux moyens points en faisant moyen point, sur le bon timing, vous allez voir afficher deux hits. Ça, c'est ce qu'on appelle un combo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir un compteur qui va s'incrémenter, quel que soit le jeu de combat, là vous voyez deux hits sur Street Fighter, ça peut être 500 hits, je sais pas, sur un Marvel vs Capcom, sur un Dragon Ball Fighters. Tant que vous avez cette notion de combo, ça veut dire que vous avez réussi votre combo correctement. Si vous voyez ça c'est un vrai combo. Si je vois 3 hits, c'est que mon combo est réussi. Si à contrario, je fais juste 2 hits et que je fais mon Hadoken trop tard, mon combo est raté. Voilà, c'est vraiment ça la notion de combo. Il faut savoir aussi que dans un jeu comme Guilty Gear ou Dragon Ball Fighters, vous allez avoir des notions de combo. Rouge, en couleur rouge et en couleur bleue. C'est-à-dire qu'en gros, si à un moment donné, votre compteur de combo passe du rouge au bleu, ça veut dire que votre combo est raté à un moment donné. Voilà, c'est-à-dire que pour faire un vrai combo, il faut vraiment que tout votre indicateur soit en rouge de A à Z. C'est la particularité des jeux Arxis. C'est comme ça. Ça peut varier donc d'un jeu à l'autre. Mais retenez que la notion de combo, c'est le fait d'enchaîner vraiment des coups normaux et des coups spéciaux en garde de sorte à ce que votre compteur augmente à l'écran. Ça, c'est le basique. Ensuite, je vais parler de notion de. Alors là, on va y arriver. De cross-up et cross-down. Alors, ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre dans un jeu de combat, y compris pour les débutants, parce que vous allez souvent en arriver là. Donc, qu'est-ce que j'entends par un cross-up? On va commencer par parler de cross-up. Cross-up. À partir du moment où vous entendez ce terme de cross-up, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que vous passez dans le dos de votre adversaire, quel que soit le moyen. Par exemple, si vous sautez par-dessus votre adversaire et que vous tapez comme ça, attendez, je ne sais pas avec Ryu ce que c'est ça, voilà. Vous voyez? Sur le côté gauche, il va s'afficher cross-up. Quand je vais le taper dans son 2, il y aura marqué cross-up. Le fait que j'ai tapé dans le dos de mon adversaire. Il y a certains personnages, comme notamment Camille, qui peut utiliser je vais appeler ça un coup spécial, oui, le V-Skill, qui permet de pivoter et de passer dans le dos de l'adversaire pour lui faire un coup en cross-up. Ça marche aussi. C'est aussi un cross-up. Maintenant, je vais introduire une petite subtilité, c'est le cross-down. Alors, en général, quand on met des coups dans le dos de l'adversaire, on appelle ça un cross-up. Mais il existe une forme particulière de cross-up où on passe dans le dos de l'adversaire, c'est quand on passe en dessous de l'adversaire, qui porte donc le nom de cross-down ou de cross-under. Mais en général, on appelle ça un cross-down. Si par exemple votre adversaire saute, vous faites un dash pour passer derrière ou juste vous avancez derrière, vous allez faire un cross down. Vous allez passer dans le dos de votre adversaire. Voilà, ça c'est au niveau du terme approprié. Donc il faut savoir que je reparlerai de la garde après et des gardes particulières par rapport aux basses, hautes, etc. Pour l'instant, j'en parle pas trop. Donc ensuite, vous allez avoir souvent la notion de crouch. En termes anglais, ça veut dire tout simplement accroupi. Quand vous voyez crouch sur un terme ou CR en diminutif, ça veut dire que votre personnage est accroupi, tout simplement. Voilà. De la même manière que son opposé, c'est stand. ST, si vous voyez ST, ça veut dire stand, debout. Si vous voyez. Voilà. C'est vraiment la base quand vous voyez crouch et accroupi, stand, debout. C'est rien de très compliqué. Ensuite. Ça j'ai abordé, ça j'ai abordé, le dash j'ai abordé, la déchoppe. Alors, quand vous entendez parler de déchoppe ou de tektro, aussi des fois vous allez voir ce terme-là, tektro, c'est le fait de déchopper l'animation de chope de votre adversaire. Si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure avec Ryu, quand il se relève, donc il fait une chope à la relevée. Qu'est-ce qui se passe si je le mets au sol et que je m'approche de lui? Ben, il va me choper. Donc, encore une fois, pour revenir à la notion de Janken,
pour annuler une chope, donc la pierre, je peux utiliser la pierre pour annuler, pour que les deux actions s'annulent entre elles, en fait. Donc, si je fais le choix de la pierre, il fait le choix de la pierre, vous voyez, ça va déchoper. C'est ce qu'on appelle une tech throw ou une déchope dans le jargon. Voilà. Tech, T-E-C, H en général, ça regroupe tous les termes techniques d'un jeu. Donc, quand vous voyez tech quelque chose, c'est une technique. Donc, tech throw, c'est une technique de chope. Donc, la technique de chope, en l'occurrence, là, c'est une déchope. C'est le fait de déchoper la chope de votre adversaire par une autre chope. Voilà, donc ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Alors ensuite, on va parler de la notion de drop, de dropper le verbe. Parce que c'est vrai que c'est un verbe qui a été francisé. Dans le sens où, en gros, voilà, c'est drop, ça veut dire jeter, littéralement. Hein, le fait de jeter, de faire tomber quelque chose. Mais en gros, c'est, par exemple, vous faites un combo. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Le Sten MP, Sten MP, Hadoken. Bon. Si à un moment donné, je rate mon combo, genre, au lieu de faire Sten MP, Sten MP, Hadoken, je fais par exemple Sten MP, Sten MP, et trop tard mon Hadoken, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un drop. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez raté littéralement votre combo comme une merde, quoi. Vous avez essayé de le faire, vous avez raté, donc vous avez droppé. Vous avez fait un drop. Voilà. Typiquement, c'est ce genre de jargon qu'on utilise. Ensuite, donc voilà, on y arrive à la fameuse garde. Donc dans les jeux de combat, pour éviter de vous prendre les coups de votre adversaire directement sur vos points de vie, hein, il faut utiliser une garde. Alors la garde varie, je le précise, d'un jeu de combat à l'autre. Vous allez avoir par exemple des jeux comme MKX où la garde sera sur un bouton, sur le bouton R2. Et vous allez avoir des jeux de combat comme Street Fighter, Guilty Gear, bon je reprends toujours les mêmes parce que c'est ceux que je connais le plus, où la garde se fera sur une direction. Donc concrètement, dans Street Fighter ou dans un jeu comme Guilty Gear, etc., ou même Tekken, hein, ça marche aussi à Tekken. La garde se fera de deux façons, soit simplement en maintenant arrière, soit en maintenant diagonale bas arrière. Alors vous allez me dire, mais oui, mais quelle est la différence entre les deux? Et c'est très pertinent ce que vous allez me dire. Il faut savoir que dans un jeu de combat, pour reprendre les coups dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des lights, j'ai parlé des médiums, j'ai parlé des gros, j'ai parlé des de tous ces coups-là. Mais j'ai pas parlé de notion de low, coup mid, coup high. Donc je vais expliquer ça maintenant. Dans un jeu de combat, vous allez avoir des coups low, c'est-à-dire des coups qui touchent en bas, au niveau des pieds en général. Hein. Donc ça peut être bas petit pied, ça peut être balayette, etc. Vous allez avoir la notion de coup mid. C'est en général des coups qui touchent à hauteur de corps, en fait. Hein. Ça peut être... Le moyen point, le gros point, même le gros pied, c'est un mid. Hein. Vous voyez, ça, c'est considéré comme un mid. Et vous allez avoir les coups high. Alors, c'est vrai qu'à Street Fighter, il n'y a pas vraiment de notion de coups high comme à Tekken, dans des jeux comme ça. Mais à Street Fighter, il faut considérer, par exemple, les sauts avec un coup sauté comme un saut gros pied, comme un coup high. Ou les overhead dont je parlerai un petit peu plus tard. Ça, c'est des coups plutôt high. Donc, il faut savoir qu'en général, la garde basse... C'est des coups qui permet de garder. Je mets toutes les attaques et je vais le mettre. C'est des coups qui permet de garder tout ce qui est les coups low. Vous voyez, mon adversaire reste en garde basse pour les coups low. Vous voyez, ça permet de garder les coups mid. Comme ça. Vous voyez. Et ça, mais par contre, ça ne permet pas de garder les coups sautés, les coups high. Donc, vous voyez, il est obligé de se relever pour le garder. Vous voyez, si je saute dessus, il est obligé de se relever. De la même manière que, bon, je voulais pas en parler tout de suite, mais c'est pas grave, je vais en toucher quand même deux mots maintenant, ça m'évitera de le faire plus tard. Il existe des coups qui permettent de casser la garde qu'on appelle des coups overhead. C'est-à-dire que pour les gardes basses, vous allez pouvoir casser une garde basse en mettant un coup par-dessus la tête de votre adversaire. De la même manière que quand vous lui sautez dessus, s'il est en garde basse, c'est considéré comme une forme, je mets des guillemets, d'overhead.
par exemple avec Ryu, vous voyez, si je mets, si je mets ce coup-là, vous voyez, ça c'est un overhead. Et vous voyez, mon adversaire est obligé de se relever, sinon il se fait ouvrir la garde. Donc il y a plusieurs façons d'ouvrir une garde, vous voyez, vous pouvez ouvrir une garde grâce à un overhead, un saut dessus, par-dessus, vous pouvez ouvrir une garde en chopant votre adversaire, vous pouvez ouvrir une garde en ouvrant votre adversaire en low s'il est debout, comme si, vous voyez, il est obligé de s'accroupir. S'il ne met pas la garde, il va se faire ouvrir en low, vous voyez, s'il garde debout. Donc ça, c'est important de savoir qu'il existe deux types de gardes, une garde pour garder les coups overhead, les coups sautés, et une garde qui permet de garder les mid et les low essentiellement. Sur des jeux comme Tekken, vous avez des particularités où effectivement, quand vous êtes accroupi, si vous prenez un coup high, le coup high va battre la garde accroupie. Mais ça, c'est encore une fois, c'est spécifique à certains jeux de combat. Donc voilà, je peux avancer par rapport à ça. Donc la prochaine étape, on va parler du jump. Donc la notion de jump ou de saut, tout simplement, ça, c'est en fait c'est le fait de sauter vers votre adversaire ou vers l'arrière. Hein. Si vous faites un back jump, c'est vers l'arrière. Si vous faites un forward jump, c'est vers l'avant. Mais en général, on va plutôt parler de jump in, quand vous allez sauter vers votre adversaire pour lui mettre un coup, c'est ce qu'on va appeler un jump in. Quand vous allez faire un saut qui va toucher cross-up, on ne parlera pas de jump in, mais de saut cross-up. Par exemple, si j'essaye de viser en cross-up mon adversaire, vous aurez un saut cross-up. D'accord ? Le troisième type de saut dont je voulais parler, mais j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, c'est le empty jump. Pour l'instant, je ne vais pas en parler. Ensuite, je vais parler de notion de knockdown, de KO en fait, en anglais. La notion de KO, de knockdown, c'est le fait, bah, tout simplement, quand vous battez votre adversaire qui n'a plus de vie, à la fin, vous allez avoir un KO ou knockdown. C'est juste pour dire, voilà, en gros... Non, pardon, knockdown, c'est autre chose. Je voulais parler de knockout. Knockout, c'est vraiment quand votre adversaire, vous l'avez tué, il n'a plus de vie. Le round défini pour lui, c'est un knockout. Ouais, un KO, si vous préférez. La notion de knockdown, c'est plutôt une chute à terre, le fait que vous ayez mis votre adversaire au sol. C'est ce qu'on appelle aussi en japonais un nokizem, ou un nokizeme en japonais. Et parfois, vous le trouverez dans le jargon en français, on dit un nokizem, ou un noki. Des fois, vous avez le diminutif oki, si vous voyez oki, ça veut tout simplement dire une mise au sol, que ce soit après une chute, après une balayette, après ce que vous voulez, un dragon, n'importe quoi. C'est une mise au sol, vraiment. Un okizeme, un okizeme, un knockdown, voilà. Tout ça, mise au sol, tout ça, c'est des termes synonymes. Alors ensuite, je vais vous parler de la notion de main, M-A-I-N, ou main character. La notion de main character, c'est le fait de désigner votre personnage principal, celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, que vous maîtrisez le mieux en fait. C'est le personnage que vous jouez le plus souvent, avec lequel vous vous entraînez le plus souvent et que vous faites la plupart de vos matchs. C'est vraiment ça, c'est un main character. Voilà. A contrario, quand vous allez avoir des personnages secondaires que vous allez travailler à côté pour pouvoir, par exemple, contrer un adversaire qui est assez difficile à jouer, un personnage adverse qui est assez difficile à jouer pour votre personnage principal, vous allez parler de counterpick. Un counterpick, c'est le fait d'utiliser un personnage secondaire que vous avez dans votre manche pour essayer de contrer un adversaire contre lequel vous avez des difficultés. Ça, c'est la notion de counterpick. Donc, c'est pour ça que j'en parle en même temps. Main counterpick. Ça, on en a parlé. Tac. L'overhead, on en a parlé. Donc, les persos à charge. Alors, pour les persos à charge, je vais passer ça rapidement en revue. Bon, là, je ne vais pas changer de personnage parce que sinon, ça va prendre du temps, etc. En gros, un perso à charge, c'est... vous prenez par exemple Guile dans Street Fighter. Contrairement à Ryu qui a des manipulations spéciales qui lui permettent de sortir des boules de feu en faisant un caravan, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir des personnages qui vont nécessiter le fait de maintenir une direction, par exemple, pendant un moment vers l'arrière, puis d'un coup, qui vont faire avant et un bouton pour sortir un coup spécial. Ça, c'est ce qu'on appelle un perso à charge. Parce que par définition, vous chargez votre coup pour pouvoir sortir votre coup spécial. Vous pouvez maintenir aussi la garde basse vers l'arrière pour faire un raccourci
puis faire vers l'avant pour faire une charge. Vous avez certaines persos qui ont des charges particulières. Genre par exemple, vous avez Balrog, qui peut utiliser un coup qui s'appelle le Turn Around Punch. Donc je rentre pas dans les détails, hein. Mais en gros, pour faire ce coup, il est obligé de maintenir plusieurs touches et de les relâcher pour pouvoir faire un coup de poing derrière. C'est une charge avec des boutons. Certains personnages ont ça, Ed dans Street Fighter ont ça, etc. Ça, c'est la notion de perso à charge. Vous pouvez retrouver aussi le terme de Zonk, Zonk, dans certains jeux de combat, notamment sur Street, hein, quand vous prenez par exemple Birdie. Dans certains matchs, si vous entendez parler de la notion de Zonk, c'est le fait que votre adversaire est chargé par exemple un coup avec deux touches et qu'il ait relâché ses touches pour faire un coup chargé, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vu, ça c'est vu. Ensuite, on va parler de la notion très importante de pif ou de piffer. Donc si je prends la définition telle qu'elle, hein, c'est le fait de faire un mouvement au hasard. Alors ça reste vague quand on le dit comme ça, c'est pour ça que je vais vous donner des cas de figure un peu plus précis. Admettons, votre adversaire est tout le temps sans cesse sous pression, il sait pas quoi faire, et d'un coup, il va faire ça. Ou ça, un coup spécial comme ça. Ce genre de coup, c'est des coups qui sont très dangereux et très punissables dans le jeu, donc j'en parlerai après, hein, des notions de punition, etc. Mais en gros, il sait pas quoi faire, il perd ses moyens, il fait ça, ou alors il fait une super comme ça dans le vent, sans aucune raison, aucune. Juste parce qu'il panique ou que, il sait pas quoi faire d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un pif ou le fait de piffer. En gros, vous faites une action qui n'a pas vraiment de sens, qui est juste fait un petit peu soit sous l'effet de la panique, soit parce que votre adversaire ne sait rien faire d'autre et il va faire un pif, il va lancer une attaque comme ça qui n'a ni queue ni tête en fait. Voilà, c'est vraiment la notion de pif. Les pifs peuvent se retrouver une fois que par exemple votre adversaire est mis au sol, il va lancer un pif. Ça peut être par exemple dans je sais pas moi, dans Dragon Ball Fighters, vous faites rien de particulier et votre adversaire vous fait une super avec 3 barres de ki. Ça, c'est un pif. Il se dit, tiens, je vais peut-être attraper quelque chose. Sur un malentendu, si mon adversaire a pas mis la garde, ça peut marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle un pif. Voilà. Ensuite, je vais parler de la notion de poke. Alors, dans la définition, le poke, pardon, ça consiste à toucher l'ennemi sans engager une longue phase de coup. On cherche juste à le harceler tout en restant safe. Donc, j'en parlerai après de la notion de safe, pas safe. On appelle aussi cette technique du hit and run. Pour faire le truc basique, pour simplifier vraiment ce qu'est un poke, c'est un coup qui en général est un coup qui est assez rapide, facile à faire et qui va en général à une certaine distance. Par exemple, vous voyez ça, le fait de faire ça, c'est un poke. Je vais poker mon adversaire, je vais lui mettre des petits coups, soit pour l'agacer un peu, soit pour prendre des informations, soit pour lui faire des petits dégâts. Soit pour taper un petit peu sur sa garde, ça va faire des dégâts de gratte. Bon, la gratte, j'en parlerai plus tard aussi, hein, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Mais en gros, c'est des petits coups où vous prenez peu de risques, vous faites pas beaucoup de dégâts, mais ça peut être utile, par exemple, dans votre phase offensive ou défensive. C'est moins ça un poke, c'est un coup. Simplement un coup que vous allez envoyer de temps en temps sur votre adversaire. Ensuite, je vais parler de la notion, donc on va revenir à la notion de punition. Donc une punition, c'est quoi? C'est une phase durant laquelle votre adversaire s'est loupé et laisse une grosse ouverture. La punition consiste à placer un maximum de dégâts durant cette phase. Alors, encore une fois, la notion de safe, pas safe, pour l'instant, je ne vais pas l'aborder, mais retenez juste que dans les jeux de combat, il y a certains coups normaux et la plupart des coups spéciaux qui, s'ils sont faits n'importe comment, soit sur une garde, soit comme ça, nulle part, au milieu de nulle part, peuvent être punis par un combo derrière, par exemple. Je prends un exemple. Pas forcément un combo, mais une punition. Admettons, mon adversaire s'amuse à... Je vais l'enregistrer. Je vais vous montrer quelque chose de très très basique. J'enregistre mon adversaire. Il fait un dragon dans le vent. Et derrière, il met sa garde. Il faut savoir qu'un dragon, c'est un coup qui est très lent. Donc, il met beaucoup de temps avant d'atterrir mon adversaire. Et donc, j'ai tout le loisir de le punir
S'il a fait dans le vent ou s'il a fait dans sa garde. Ça, c'est la notion de punition. Je vais le punir pour avoir fait un coup qui me permette de le punir derrière. D'accord? Donc, si je mets la lecture. Oups. Bon, je vais mettre la garde quand même. Vous voyez? Je peux mettre par exemple ça pour le punir. Un truc simple, hein? Je peux le choper. Ça, c'est une punition. Bon, c'est des punitions basiques, bas niveau, mais c'est pour vous illustrer le fait que ce genre de coup, il n'a pas le temps de mettre la garde. Parce que sur l'enregistrement, j'ai fait exprès. Je lui fais faire un dragon et derrière, je mets volontairement la garde. Le problème, c'est que comme il est vulnérable durant l'animation de son coup, il n'a pas le temps de mettre la garde avant que j'aie le temps de le punir, en fait. C'est pour ça que j'ai la possibilité de le punir et donc je lui inflige une punition pour avoir pris ce risque et ne pas avoir pu mettre sa garde entre-temps pour se protéger. Vous voyez? Donc je peux mettre une plus grosse punition. Hein. Bon, je joue pas Ryu, mais. Ouais, ou peut-être. Hein? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, ça marchera pas. Ah, si, je sais. Je pense savoir ce que je peux faire. Ah, là, je suis loupé. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Vous voyez? Par exemple, ça, c'est une grosse punition. Bon, c'est pas une très très grosse punition. Hein. Je suis pas un joueur pro de Ryu, mais l'idée, c'est ça. Vous avez été puni pour avoir fait quelque chose dans le jeu qui, si vous le faites mal, ben, votre adversaire va vous punir pour l'avoir mal fait. Voilà. Ensuite, je vais parler de la notion de run. Alors un run, bah, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une course, un sprint, qui s'effectue de la même façon que le dash, en doublant la direction avant ou arrière. Alors, il faut savoir que dans Street Fighter, à part quelques cas particuliers de certains persos, qui peuvent courir, il n'y a pas vraiment de notion de run. Mais le run, ça existe dans nos jeux, notamment des BFZ, hein, ça existera. Vous aurez la possibilité, simplement, au lieu de dasher en faisant deux fois avant rapidement, vous faites deux fois avant et vous maintenez votre direction et votre personnage va se mettre à courir. D'accord? Alors, il faut savoir une chose que j'ai pas précisé tout à l'heure dans la notion de dash ou même de run, c'est que l'inconvénient d'un dash ou même d'un backdash, hein, sauf dans Street Fighter 4, mais ça c'est un peu particulier. Quand vous faites un dash ou quand vous faites une course, vous pouvez pas mettre votre garde puisque votre personnage sera dans une animation de course ou de dash, et pendant ce court laps de temps, ben, vous n'aurez pas la possibilité de vous protéger. C'est important de le savoir parce que si vous ne le savez pas, ben, malheureusement, quand vous faites des dashs abusifs, ben, souvent votre adversaire va vous punir parce que vous dashez justement. C'est pour ça que les dashs restent quelque chose de très punissable et il ne faut pas trop en abuser. Il faut l'utiliser à certains moments stratégiques dans les matchs, etc. Mais bon, là, ce n'est pas l'objet de ce tuto, c'est vraiment le fait d'expliquer ce qu'est une run, un dash, etc. Ensuite, je vais parler de la notion de. Alors, on va parler de différents types d'archétypes. Alors, qu'est-ce que j'entends par archétype? Un archétype, c'est ce qui caractérise, je dirais, c'est les caractéristiques d'un personnage dans un jeu de combat. C'est le fait que, par exemple, votre personnage, il a comme caractéristique le fait qu'il soit très bon au corps à corps, qu'il soit très bon à distance, qu'il soit très bon pour se déplacer, qu'il soit très bon pour choper, qu'il soit très bon, pour faire du gros dégâts, etc. Ça, c'est un archétype de personnage. Dans les jeux de combat, et notamment dans Street Fighter, on retrouve en général des archétypes qui sont, comment dire, assez courants. Il y a quatre types d'archétypes qu'on retrouve. Trois ou quatre types d'archétypes. Je vais vous prendre ceux de Street Fighter, parce que c'est des archétypes qu'on peut retrouver dans d'autres jeux de combat, pour expliquer un petit peu la différence. Donc vous allez avoir l'archétype du perso Rushdown. Qu'est-ce qu'un perso Rushdown? Rush comme... comment dire? Rushdown, c'est vraiment le fait d'attaquer, que votre personnage a la particularité d'être un attaquant, c'est-à-dire qu'il va prendre des risques. Si je prends la définition de Rushdown d'ailleurs, c'est un style de jeu consistant à aller toujours vers l'avant et à prendre des risques pour mettre l'adversaire sous pression et de le faire hésiter en permanence sur la façon dont vous allez attaquer. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends dans Street Fighter, mon personnage personnel, qui est Rushdown, c'est Camille. Un perso Rushdown, c'est un perso qui va devoir, comme son nom l'indique, enfin, comme la définition l'indique, prendre des risques pour se retrouver
au corps à corps principalement, ça ne veut pas dire qu'elle doit tout le temps attaquer, hein. Ça veut dire que en gros, son domaine de prédilection, son domaine privilégié où elle sera le plus optimale pour elle, ce sera le corps à corps. C'est là où vous allez sublimer votre jeu en étant proche de votre adversaire. Voilà. Ça, c'est un archétype rushdown. C'est vraiment le but. Il faut être très fort au corps à corps pour pouvoir jouer ce genre de personnage. Ensuite, vous allez avoir l'archétype des zoneurs. Donc, les zoneurs, c'est tout le contraire du rushdown. Comme son nom l'indique, le zoneur, zoning, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous, votre job, ça va pas être d'aller vers l'adversaire tout le temps pour essayer de l'attaquer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'allez pas devoir aller dessus, de la même manière que rushdown, on n'est pas obligé d'attaquer tout le temps. Mais là où vous allez passer 70 à 80, voire 90% de votre temps, c'est en zoning. C'est-à-dire que vous allez rester plutôt éloigné de votre adversaire et votre jeu va consister à lui envoyer des projectiles, des coups qui vont loin, des choses comme ça. À essayer de l'empêcher de rentrer dans votre zone en fait. Ça, c'est la notion de zoneur, l'archétype de zoneur. Donc si vous êtes très fort pour jouer plutôt la distance, jouer sur les nerfs de votre adversaire, sur sa patience, à vous approcher, etc., ce sera plutôt un archétype que vous allez privilégier. Ensuite, je vais parler d'un archétype particulier qui existe dans d'autres jeux de combat, qui existera aussi dans DBF, notamment avec C16. C'est ce qu'on appelle les Chopper Spé. Donc, avant de parler de Chopper Spé, il faut que je parle de la notion de Chop Spé, dit déjà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de Chop. Le fait que vous puissiez briser une garde en attrapant votre adversaire pour le choper. Certains personnages auront des chopes particulières qui sont des chopes spéciales, donc des coups spéciaux, les fameux coups spéciaux dont on a abordé tout à l'heure, qui sont donc des chopes spé ou chopes spéciales. Chopes spé étant le diminutif de chopes spéciales, ça va de soi. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement en anglais des grappleurs, comme chopper en fait. Donc en fait, quelle est la particularité d'un chopper spé? C'est que contrairement à une chope classique, que j'ai parlé tout à l'heure. Quand vous faites une chope classique, vous pouvez déchoper votre adversaire avec une des chopes. Ça, il n'y a pas de problème. Cependant, quand vous avez affaire à un chopper spé, bon, dans Street, ça va être Zangief, Laura, Ermika, Abigail, enfin, je peux vous en citer plein, hein, des comme ça. C'est pas ce qui manque, Alex aussi, notamment. Ou C16 dans DB Fighters, ou Potemkin dans Guilty Gear, etc. Excusez-moi, petite seconde. Les chopper spé, vous n'allez pas pouvoir déchoper votre adversaire. La seule façon de contrer une chop spé, il n'y a pas 36 façons en général, c'est de sauter au moment où votre adversaire fait la chop spé, soit vers la surplace, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ou de faire un backdash. En tout cas, dans Street, ça marche comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la notion de chop spé. Voilà, ça c'est un autre archétype. Donc il y a un autre archétype qui est plus ou moins propre à Street. Hein. Alors, on va dire oui et non, parce que je vais expliquer pourquoi. Vous allez avoir un archétype, ce qu'on appelle les Shoto. Pourquoi qu'est-ce qu'un Shoto? Un Shoto, en fait, historiquement dans Street Fighter, ça vient en fait de tous les karatékas qui peuvent faire des dragons comme Ryu, des Hadoken et des Tatsumaki. Pourquoi Shoto? Parce que tout simplement, ça vient de l'école de ce fameux karatéka, le Shotokan en fait, d'où la notion de Shoto. Alors, pourquoi on parle de Shoto en termes d'archétype? Pourquoi on ne dirait pas simplement un zoneur, un rushdown, etc. Parce que le Shoto, il faut voir ça un petit peu comme un personnage un peu polyvalent. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, il n'aura pas forcément une chop spé. Il y aura quelques exceptions comme Akuma qui auront des chopes aériennes, etc. Un peu spécial, mais en général, c'est pas trop le cas des Shoto. Les Shoto, c'est des persos qui sont à la fois capables de zoner, pas aussi bien qu'un zoneur, mais qui savent un peu zoner. C'est des persos qui peuvent aussi un peu rush down, parce qu'ils peuvent presser. Et c'est aussi. Voilà, je parlerai de. Ah oui, j'ai oublié, il existe un autre archétype, mais j'en parlerai après. Donc en fait, voilà, le Shoto, faut voir ça comme un perso un peu polyvalent, capable à la fois d'attaquer, de zoner, de jouer aussi en neutral, mais ça, je vais en parler un petit peu plus des persos du neutral, je vais en parler maintenant d'ailleurs.
Voilà, il faut voir en gros tous les shotos qu'on a dans le jeu. Ça peut être un Ryu, ça peut être Ken, ça peut être Akuma. Dans Dragon Ball Fighter, ça sera un petit peu l'équivalent d'un Vegeta, d'un Goku, etc. C'est un petit peu, je le vois comme ça, c'est un peu des shotos dans leur façon de se jouer. Donc après, vous allez avoir un archétype qui est l'archétype du perso neutral ou du whiff punish. Alors, pour l'instant, oubliez la notion de ce que veut dire le neutral ou le whiff punish. Je vais décrire tout ça après. Pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. En gros, le perso du neutral, c'est plus le perso dont l'objectif, ce sera de jouer sur la distance entre lui et son adversaire, d'essayer de le provoquer pour qu'il sorte un coup. Et quand ce coup va sortir, il va faire en sorte de taper dans l'animation de ce coup pour le punir en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les persos du neutral. Alors, vous allez retrouver plus ou moins des persos du neutral dans Street. Le plus connu, enfin les deux plus connus pour moi, qui se jouent vraiment plus en neutral que les autres, selon moi, après, il y en a qui seront pas forcément d'accord, ce sera Karine et Chun-Li. Moi, c'est les persos que je vois plus dans le jeu du neutral. Alors, on va me dire, oui, mais Chun-Li, c'est pas loin d'un Shoto quand même. C'est vrai, parce que c'est un perso un peu hybride. Mais pour moi, dans sa façon de se jouer, elle est plus basée sur le neutral que véritablement sur le côté Shoto, polyvalent, etc. Moi, je la vois plus comme ça. Elle est plus forte dans ce domaine-là, en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment ça que je parle par la notion d'archétype. Donc, ben, je vais en profiter pour parler du neutral game, que je parlais de notion de neutral, donc je vais expliquer un petit peu ce qu'est le neutral. Le neutral, en fait, c'est ni plus ni moins que... Attendez, je vais juste virer le bot qui s'excite un peu là, sinon vous allez rien comprendre. Le neutral, c'est une situation de jeu dans laquelle ni vous, ni votre adversaire ne pouvez vous toucher directement sans prendre un risque en vous avançant ou en vous reculant, etc. D'accord? Donc, quand vous commencez un match, vous êtes en situation de neutral de fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis trop loin, je ne peux pas toucher mon adversaire. À part avec un projectile, je veux dire, je ne peux pas le toucher directement. Là, je suis en notion de neutral. La notion de neutral, ça peut être aussi, j'ai la possibilité de lui sauter dessus, de dasher pour me rapprocher, de lui envoyer un projectile à cette distance, etc. Ça, c'est vraiment la notion de neutral game, c'est une notion de neutre, de neutralité. Ni vous, ni votre adversaire n'avez l'avantage par rapport au terrain. C'est ça la notion de neutral. Voilà, c'est pour ça que je voulais en toucher deux mots. Alors, après, je vais parler d'un terme un peu générique qu'on entend souvent dans les jeux de combat, qui me fait sourire d'ailleurs, parce que certains ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, et c'est pour ça que je vais quand même en parler. Ça, si vous l'entendez surtout dans les commentaires, c'est la notion de sac. Alors, qu'est-ce qu'un sac? Si je prends la définition, c'est un joueur médiocre qui n'est bon qu'à encaisser des coups, tel un sac de frappe. Donc si souvent vous entendez parler dans des matchs ouais mais lui c'est qu'un sac il sait pas jouer au jeu ou des fois si vous entendez des gars qui se chambrent entre eux en disant t'es qu'un sac voilà c'est pour dire en gros t'es un peu ma marionnette quoi je fais ce que je veux de toi t'es nul par rapport à mon niveau de jeu enfin, ça peut être vu de façon péjorative ou pas forcément ça peut être aussi respectueux ça dépend comment c'est dit comment c'est fait. Voilà. Après, voilà. Je voulais parler de la notion de spam. Alors, le spam, ça regroupe, ça peut être regroupé avec la notion de bouton mashing, selon comment c'est fait. Par exemple, votre adversaire, tout le long du jeu, du match, il va faire que ça. Ça, c'est du spam. C'est-à-dire qu'en gros, il va passer son temps toujours à faire le même coup, toujours le même coup, toujours le même coup, toujours le même coup, toujours le même coup. Il va répéter, 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 répéter 10 fois le même coup dans le match, 50 fois le coup même coup dans le match. Il va pas essayer de jouer avec ses autres coups, avec son personnage véritablement, mais il va utiliser toujours le même coup normal ou le même coup spécial ou la même phase tout simplement. C'est ce qu'on appelle du spam. Ça peut être aussi appelé dans certains matchs, notamment animés par notre cher Ken Bogart, du mokubinisme. C'est le fait de répéter sans cesse la même phase de jeu, tant qu'elle fonctionne en fait, vous la répétez sans arrêt. C'est ce qu'on appelle du mokubinisme. Par exemple, votre adversaire est dans le coin,
Vous le chopez, vous avancez vers lui, vous le rechopez, vous avancez vers lui, vous le rechopez, vous avancez vers lui, vous rechopez, etc., 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 etc. Ça, si votre adversaire ne déchoppe pas ou qu'il ne comprend pas votre jeu, ça s'appelle du mokubinisme. Tant que ça marche, vous continuez en fait. Voilà. C'est du, entre guillemets, spam ou du mokubinisme. Voilà, donc on a vu ça, on a vu ça. Alors ensuite, il reste le stun. Donc le stun, c'est propre à certains jeux de combat. Je le précise parce que ce ne sera pas le cas avec tous les jeux. Notamment sur Dragon Ball Fighters, il n'y aura pas de notion de stun. Ce sera uniquement une notion de KO, simple et efficace. Il n'y aura pas de stun. Mais vous avez des jeux comme Street Fighter, comme Guilty Gear, MKX, il me semble pas. Quoique si, je crois, je ne sais plus de mémoire, mais bon bref, vous avez compris. La notion de stun, c'est quoi? C'est, je vais vous montrer par exemple par rapport à Street Fighter, c'est le fait que vous étourdissiez votre adversaire. À force de subir un certain nombre de dégâts, de dégâts, de dégâts, de dégâts, de dégâts, votre adversaire va avoir une barre, soit affichée explicitement comme dans Street Fighter V, soit pas forcément affichée explicitement selon le jeu de combat, qui va faire que plus il va prendre des dégâts, plus il va augmenter sa barre d'étourdissement, et donc il va finir dans les étoiles, dans les oiseaux, ce que vous voulez, mais il n'aura plus le contrôle de son personnage pendant cette période-là. Donc, si je montre l'exemple du stun dans Street Fighter, tac. Donc, si je mets étourdissement à l'attaque suivante, admettons, j'ai fait que taper mon adversaire jusqu'à ce que sa barre de stun soit montée. Donc, là, vous la voyez sur votre écran, elle est située sous la barre de vie de mon adversaire, tout en orangé, on va dire, qui est rempli à fond. Il va prendre un coup. Bon, là, il est en garde. Forcément, si je laisse en garde, il va pas être étourdi. Si je fais ça, vous voyez, il est en stun. Donc d'ailleurs, c'est indiqué, vous voyez, stun qui clignote, clairement. Et là, mon adversaire, il ne peut pas bouger. La seule façon de se dégager d'un stun en général, sur un jeu de combat, c'est souvent de bourrer un petit peu le stick, les touches, etc. Il y a certains jeux qui ont des combinaisons de touches pour se déstun, etc. Donc voilà. La notion de stun, c'est le fait que votre adversaire soit étourdi, il ne peut plus mettre la garde, il n'y a plus l'action de son personnage, donc vous pouvez mettre un combo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Sauf s'il arrive à se déstun dans les temps, mais encore, c'est pas facile face à des bons joueurs. Il y a certains jeux où c'est plus ou moins possible, mais des jeux comme Street 5, c'est difficile de se déstun avant de se prendre un combo derrière, sauf si votre adversaire n'est pas un très bon joueur. Alors ensuite, je vais parler de la notion de taunt. Qu'est-ce qu'une taunt? T-A-U-N-T. Une taunt, c'est ni plus ni moins qu'une provocation. C'est-à-dire que dans certains jeux de combat, bon, il y a des jeux de combat comme des BFZ, vous ne pourrez pas le faire, je pense pas. Hein. Je pense pas que c'est prévu une notion de taunt, de fait, en tout cas de ce que j'ai testé dans la bêta, c'était pas le cas. Mais dans certains jeux comme Street Fighter, vous avez la possibilité de taunter. Donc si vous faites ça. Mince. Est-ce que j'ai les touches? Vous voyez? Je vais provoquer mon adversaire avec une posture de combat. Vous voyez, là, vous avez Ryo qui tape des poings, c'est ce qu'on appelle une taunt. Dans le même ordre d'idées, vous allez avoir aussi une autre forme de provocation, un terme récemment introduit dans les jeux de combat que vous pouvez entendre aussi parfois, c'est ce qu'on appelle un teabag. Littéralement, en français, sachet de thé, un teabag. Qu'est-ce qu'un teabag? Ben, c'est le fait, en fait de provoquer votre adversaire. Par exemple, quand il est stun, je parlais de stun il y a 2 minutes, vous allez faire, par exemple, plusieurs fois bas. Pour le provoquer en fait. Si vous le faites assez vite devant lui pendant qu'il est stun et que vous avez le temps de lui placer un combo derrière, ben, par exemple, vous pouvez faire ça. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un teabag. C'est fait pour jouer sur la psychologie de l'adversaire, le provoquer, l'agacer, etc. Bon. À noter que, je le dis, hein, pour tous les joueurs, y compris les vétérans, quand vous faites un teabag, assumez-le toujours. Parce que moi, j'ai pas tendance à teabag et je le dis, si l'adversaire a tendance à me teabag, si derrière je le remonte et que j'arrive à le stun, cette bonne guerre, je me permets de teabag aussi. Parce qu'il faut toujours assumer son teabag. Donc le stun, c'est fait. L'attente, on a vu. Donc là, je vais parler de deux notions très importantes. La notion de zoning. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les zoneurs, mais. Je vais expliquer un petit peu plus dans le détail maintenant. Et je vais partir sur une dernière définition pour les débutants qui sera la notion de whiff. Donc on va parler d'abord du zoning.
Le zoning, c'est quoi? Si je prends la définition, hein, telle qu'elle, c'est la gestion de l'espace par le joueur tenant compte de la portée de l'arme de son perso. Excusez-moi, de l'arme de son personnage. Bon, on parle d'armes parce qu'effectivement, vous allez avoir des jeux comme Soul Calibur, où vous allez avoir des armes, etc. Mais pas que. Là, ça peut être très bien vos poings, vos pieds, etc. Voilà. Le zoning, c'est le fait, par exemple, votre adversaire a tendance à vouloir vous agresser, à vouloir rentrer. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez, vous preniez l'écran, vous le coupiez en deux. Vous avez votre zone, la zone de l'adversaire. Votre but à vous, ça va être de rentrer dans la zone de l'adversaire et défendre aussi dans votre zone pour l'empêcher de rentrer dans votre zone. Le zoning, c'est ça. Le zoning, c'est le fait de dire, mon adversaire veut m'agresser, je défends ma zone, je l'empêche d'avancer avec des pocs. Si au contraire, je veux rentrer dans sa zone, vous voyez, je vais aller l'agresser, etc. Zoning, c'est ça, c'est le gars veut rentrer, j'y mets des projectiles, j'y mets des pocs, etc. Je vais tout faire, je mets des anti-airs s'il me saute dessus, etc. Ça, c'est la notion de zoning. Protéger votre zone. Vous faites en sorte de protéger votre zone et en même temps, vous essayez de pénétrer dans la zone de votre adversaire pour prendre l'avantage sur sa zone à lui. Voilà. Et donc, dernier terme que je voulais aborder pour les débutants, c'est la notion de whiff. Je vais en profiter pour parler en même temps de whiff punish, puisque tout à l'heure j'ai parlé de punition, donc en anglais punish. Et donc, un whiff, c'est quoi? W-H-I-2-F, ou le terme whiffé, parce qu'encore une fois, on le francise, hein, si vous entendez parler de whiffé, il a whiffé, il a fait un whiff, etc. Qu'est-ce qu'un whiff? Un whiff, c'est le fait de faire une action dans le vent, en fait. Si par exemple votre adversaire fait un coup dans le vent, comme ceci, ou un dragon dans le vent, c'est ce qu'on appelle un whiff. C'est-à-dire que votre coup, au lieu de toucher directement soit la garde de votre adversaire, soit de le toucher directement, il a été fait dans le vent. Et donc, pour en revenir à la notion de whiff punish, c'est le fait de punir le fait que votre adversaire ait fait ce fameux coup dans le vent. Si je prends l'exemple de Ryu, admettons je vais l'enregistrer, comme ceci, je vais lui faire faire des bas MK, donc bas medium kick, bas moyen pied, comme ceci. Voilà, c'est bon, on aura assez spammé. Donc je lis, et il va faire des coups dans le vent. Donc ça, c'est quelque chose que les débutants peuvent faire aussi pour s'entraîner pas mal dans leur neutral game, par rapport au fameux neutral dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le whiff punish. Donc le but, ça, pour vous, ça va être de pendant l'animation du coup de votre adversaire, oula, je vais enlever ça parce que sinon, on va pas aller bien loin. Pas d'étourdissement. Fou. Donc, pendant que... Oh là là, décidément. Désolé. Hein. Voilà. Pendant que votre adversaire va faire son coup dans le vent, vous, votre objectif, ça va être de taper dans le cou de votre adversaire pour le punir à ce moment-là. Donc, il a fait dans le vent, donc il a whiffé. Je vais utiliser un coup qui a une plus grosse priorité. Bon, je prends l'exemple de Street Fighter parce qu'il y a des priorités. Je vais utiliser la balayette. Vous voyez? Et je vais taper dedans, enfin si j'arrive, pour le whiff finish. Vous voyez? Il a fait dans le vent. Je tape du bout de la balayette. Whiff punish. Hop, vous voyez? Il a fait dans le vent, je punis, etc. Voilà. Ça, c'est une notion qui est très importante dans les jeux de combat, qui est malheureusement trop ignorée par beaucoup de débutants, c'est le whiff punish. Parce que si vous ne savez pas whiff punish, ce qui va se passer, c'est que souvent, vous allez voir des adversaires faire des conneries dans le vent, et ils vont s'en tirer à bon compte. Alors que un jeu de combat... C'est vraiment le fait de taper au bon moment, au bon endroit. Si vous tapez pas au bon moment, au bon endroit, il est évident qu'un adversaire qui sait whiff punish, il va pas vous rater. Voilà, c'est pour ça que la notion de whiff punish, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un whiff, c'est le fait de faire un coup dans le vent. Un whiff punish, c'est le fait de punir ce coup dans le vent. Pour le résumer, je l'explique comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du vocabulaire niveau débutant pour ce stream. Donc, ce que je vais faire, je sais pas quelle heure est-il. Bon, je vais regarder après. Ce que je vais faire, je vais couper le stream.
Pour conserver cette vidéo, je l'uploaderai en VOD sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la reconsulter ultérieurement ou même en VOD pendant quelques jours sur la chaîne Twitch, pardon. Donc vous avez le petit lien de la chaîne YouTube sous la vidéo. Donc il suffit de cliquer sur le gros bouton YouTube et vous abonner, pourquoi pas, à ma chaîne si ça vous a plu. Et voilà. Et du coup, ce que je vais faire. Alors, la notion de negative edge, je vais en parler dans des vidéos ultérieures, plus dédiées aux joueurs niveau intermédiaire et niveau supérieur, on va dire. Cette vidéo, c'est vraiment plutôt des notions de base du vocabulaire qu'on retrouve dans la plupart des jeux de combat, que j'ai essayé de couvrir au maximum. J'en aurais peut-être oublié, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires là-dessus si jamais il y a des termes que j'aurais pu oublier. Donc ce que je vais faire, je vais couper ce stream. Je vous invite à regarder la VOD pour revoir s'il y a des termes que vous n'avez pas forcément vus et pourquoi pas me mettre des commentaires sur la vidéo YouTube hein, si vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous avez des remarques. Quant à moi, je vais relancer un deuxième stream où je vais plutôt parler du vocabulaire niveau intermédiaire. Donc je vous dis à de suite.